Voilà, frère et soeur, bonjour. Voilà, ça fait longtemps nous pas joindre, hein? Depuis 2019, pas d'occasion, mais quand même l'œuvre de Dieu l'y fait, ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. À quoi ça qu'il est bon nous prend, considère toujours ce que le Seigneur lui dit, la nuit vient, allez, pas pour un travail, pas attendre la nuit pour le bouger. Vous voyez, nous faisons un travail pendant qu'il fait jour. Et là, nous, pendant le jour puis à le coucher. À quoi ça, comment un frère nous tendait là, il nous donne corps et âme pour travailler pour le Seigneur. Travaillons pour la gloire de Dieu. Amen. Nous attendons, nous puis attendons, bien mes frères, quand nous arrivons, pareil, là, nous commençons à bouser, nous commençons à travailler. Quand nous gagnons 60 ans, nous pouvons bouger, non? Où tu pensais que Covid pouvait nous faire obstacle, tout ça, ça va être une catastrophe là. À cause de ça, c'est aujourd'hui le jour quand nos besoins donnent tout ce qui nous est capable pour la gloire de Dieu. Amen. D'accord? Voilà. Nous pouvons le passage pour encourager nous, les uns les autres, la majorité de nous là, parce qu'il y a un travail, il y a un travail, une fonction qui, bon Dieu, nous donne nous. Quelle que soit la fonction là, eh bien, c'est Dieu qui nous donne nous ça. Amen. Alors nous faisons, tu as nous un coup, nous faisons comment nous bien faisons, comment la Bible demande nous pour faire, eh bien, selon ce parole. Alors nous pouvons lire dans l'évangile de Luc. Luc, chapitre 19. Chapitre 19, verset 11. Voilà. C'est le Seigneur qui parle. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on ne croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance, Jésus, s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines. Mine, c'est l'argent, hein? Et leur dit, faites-les valoir jusqu'à que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Dommage. Lorsqu'il fut de retour, Jésus, bientôt vous retournez, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Le maître lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Amen. Amen. Voilà. Ça, c'est une parole qui, eh bien, pour aider nous, pour éclairer nous, eh bien, dans nos fonctions pour le Seigneur. Vous connaissez, dans tout pays du monde, il y a un gouvernement. Vous voyez, il y a chacun son gouvernement, chacun sa façon de faire. Alors, donc, eh bien, donc, il y a ça même qui fait le pays rouler, gouvernement. Et nous tous connaissons dans le gouvernement qui est dans le gouvernement. Qui est dans le gouvernement? Ministre. Il y a plusieurs ministres. Tout a été, enfin, tout a été un ministre de l'éducation, un ministre de finances, un ministre de travail. Qui ministre autre connaît encore aux affaires étrangères? Qui ministre encore autre connaît? Pas connaît? Environnement. Donc, il y a, donc ça va un personnage nommé ministre pour capable, eh bien, travailler pour, eh bien, le gouvernement. Donc, chaque eh bien, donc, pays dans ce ministre. Hein? Alors, nous bénissons le Seigneur, nous aussi, nous sommes ministres. D'accord?
Alors donc, eh bien, donc ça c'est une quelque chose qui est normal, il nommé, eh bien, ministre. Et qu'on est souvent, on a dit, moi, quand je suis élu, je t'ai attendu une ministre. Tu vois? Et puis, il y en a qui, un coup de temps, d'autres non sorti, il dit, un tel est pour le ministre travail. Content? Non? Ministre finance, plus content encore, ce n'est là. Tu vois? Allez. Alors, il est content, il dit, ben, donc, eh bien, je nomme moi, donc, ministre. D'accord? Alors, tu as quelqu'un qui est nommé ministre. Pas tu attends, il faut venir ministre. Mais dans cela, vie, dans ce lequel, dans lui-même, il dit ministre, ça veut dire serviteur. Amen. Ça te comprend en même temps, nous, dans autres, l'idée de la PSU, ministre, ça veut dire serviteur. D'accord, les frères et sœurs? Nous, pas ministre, mais seulement nos serviteurs de Dieu. Amen. Donc, il vient, du mot serviteur. Et vous connaissez un ministre. C'est une fonction importante. Il y a l'honneur là-dedans. Souvent, quand le ministre vient, il dit à son honorable ministre. Donc, il a un titre, sa ministre a donné l'importance là, dit. Eh bien, un ministre, donc, il est honorable. Tu vois? Alors, nous tous d'accord. Nous devons respecter le ministre. Amen. Amen. Parce qu'il y a un ministre. Il y en a. Donc, il y a un nommé. Enfin, il y a un ministre du gouvernement. Alors, donc, eh bien, c'est une personne qui est bizarre. Eh bien, respecter parce qu'il y a pourtant le ministre. D'accord? OK? Alors, parce que, donc, eh bien, nous, vous ne voulez pas nous suivre le monde. Nous pas besoin nous les dire, nous besoin et un respect égard pour ministre. D'accord? Ok, frères et sœurs, un tel venu d'ailleurs, un tel venu là, non. Nous besoin de traiter d'après ce rang, comme la Bible dit, c'est un homme important. Alors donc, nous reconnaître lui, nous pas abaisser, nous pas, eh bien, mépriser lui. D'accord? Ça veut dire, ça est important pour nous. On va pas faire cool au ministre avec les autres là. On va pas cause gouvernement avec les autres là. Tu vois? Alors, un ministre, c'est un serviteur. Ça veut dire les services au pays. Amen? C'est un serviteur d'État. Voilà comment les choses y étaient. Comment nous comprendre qui ils étaient. C'est un serviteur d'État. C'est un serviteur au pays. Ce pays, il soit les servis ben citoyens. Ça, c'est son fonction. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a un ministre, eh bien, il servit nous. Amen. Pas d'accord? Il servit du monde, il servit tout du monde. Petit du monde, grand du monde, un ministre, il servit tout du monde. D'accord? Amen. On ne va pas mettre dans d'autres paroles pour faire la guerre, là, hein? Mais vous montrez autres, il servit où? Il servit moi. Il servit du monde plus petit qu'il y en a, plus du monde qu'il y en a, plus petit du monde qu'il y en a, eh bien, il servit lui. Tu vois? Parce que les ministres, ça veut dire les serviteurs. D'accord? Alors, ce travail, il ne faut pas le travail pour lui, un ministre. Il ne pas travailler pour lui, ça. Il vient veiller, il ne pas travailler pour son avantage, pour son intérêt. Excuse-moi, il ne pas travailler pour un pièce au poste. Non. Il travaille pour. Eh bien, le pays, pareil comment il prend soin de ce travail pour lui-même personnel, il a besoin de travail pour le pays. D'accord? Amen? Voilà, ça c'est, eh bien, pour montrer aux autres, les autres connaissent, comment donc, eh bien, il fonctionnait, eh bien, dans le gouvernement. Et nous, nous prions pour le gouvernement. Amen? Nous prions pour les autorités. D'accord? Voilà. Alors, tout ce qui m'a dit aux autres, tout ce qu'ils ont compris, donc, un ministre travaille pour lui. Il a besoin d'être honnête, il travaille pour son intérêt, conflit personnel, hein, il a besoin de travailler pour son pays, pour ne pas soupçonner le lit. C'est pour cela, dans sa passage qui nous lie là, eh bien, il parle nous gouvernement. Il parle nous ministre. Et quand on lit sa passage là, il parle nous le gouvernement de Dieu. Amen.
Amen. Gouvernement de Dieu. À quoi ça dit bon, nous venons être loin. Faut pas que nous soyons prêts là, nous les bas. Juste pour, eh bien, man qui sont prêts. Alors donc, la Bible vient nous comme ça. Jésus, donc, il servit sa parabole là, sa l'exemple là. Eh bien, donc, eh bien, pour montrer nous. Tu vois, les antennes, il y a un serviteur, les finavois et autres, eh bien, pour rectifier, eh bien, l'argent qu'il donne aux autres. Alors donc, eh bien, il donne aux autres un travail, donc, eh bien, donc, chacun, 10 serviteurs auxquels Jésus donne un mine. Mine, c'est l'argent. Il dit aux autres, allez, à le fructifier, à mon retour, je vous rends compte. Nous aussi, nous gagnons un mine. Nous vous en fructifier lui parce que Jésus vous retournait. Et quand Jésus vous retournait, nous vous en rendons compte. Amen. D'accord, les frères et sœurs? Qui t'en fait de ça? Qui m'en donne toi là? Qui t'en fait à lui? Ton cassiette lui, ton pansier lui, ton tombe dans paresse, négligence, nous tous nous vous en rendons compte au maître. Amen. À son retour, ça dit cela, il appelait, il dit, rends compte. D'accord? Alors, nous ne pouvons pas tout, nous avons un là-dedans. Alors, donc, eh bien, qu'il dit, Seigneur, donne-moi un mine à la ligne rapportée. Donne-moi un travail à la mon rapporte travail. Ce travail-là fin rapporté. D'accord? Une bonne nouvelle, ça, non? Amen? Il fait un travail, on dit, donne un travail, il rapporte. Une bonne nouvelle? Amen? Non seulement c'est une bonne nouvelle parce qu'il n'a pas voté, alors c'est un homme qui n'est pas resté en place, pas de bouser, pas de bien bouser. Non, c'est un homme qui montrait dans ce qu'il y faire, il montrait courage. Amen. Les filles montraient, frères et sœurs, non seulement courage, eh bien, frères et sœurs, donc, eh bien, les filles montraient aussi, eh bien, l'intelligence. Vous voyez, les besoins bouser, comment dire, casser, ranger, faire. Les pavés, comment nous dire? Tu vois? Il n'est pas de rester en place, il dit Seigneur, bénis mon travail. Non, il ne bougeait, il n'allait, il ne fait ce qu'il visait faire, et ça qu'il fait là, il rapporte du fruit. Ça veut dire, dans ce qu'il dit, il montrait qu'il y fait un courage. Pour faire l'œuvre de Dieu, il y a un courage. Amen. Pour faire l'œuvre de Dieu, il y a un intelligent. Travaille-nous l'intelligence, parce qu'il bon Dieu de nous tous. Tu avais l'intelligence pour faire ce travail. Besoin, frères et sœurs, donc, eh bien, besoin, l'intelligence, tout ça, l'in déployer pour capable apporte, eh bien, du fruit. Alors, quand l'in vini, il pas mis tout seul, il n'est pas capable. Pas de gagner les temps, on connaît, pas de gagner les temps. Trop brûlé, trop travail. Alors, donc, eh bien, il y a une certaine excuse pour bouser, vous dire, pas capable, get un tel. Non, il n'est pas ça, du monde là, lui. Il ne servit seul l'intelligence, il ne servit seul courage pour travail, et bien pour porte du fruit, pour la gloire du Seigneur. Alors, maître content, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, reçois, gouvernement des villes. Amen. Il dit, Seigneur, donne-moi, non, un travail, une fidèle. Alors, bon Dieu, il dit, reçois le gouvernement de 10 villes. Parce que les fait fidèle, bon, une service de l'intelligence, une bousée, pas besoin derrière lui. Alors, il reçoit le gouvernement, comme est la ville? 10 la ville. Extra ça, hein? Amen. Qui faire? Parce qu'il y a un travail, une comment ça causait la dire? Eh bien, la courage, eh bien, l'intelligence, frères et sœurs, et une recevoir gouvernement de civil. Ça veut dire que, écoute bien, nous hein, bien faire comprendre. Ça, un an gagne 5, un an gagne 10. Cet homme, il rapporté. Ça veut dire que le travail qu'il me donne là, c'est un service sur l'intelligence. Dans la mission qui vont dire donne-lui. Nous aussi, nous besoins servir, nous, l'intelligence, dans le travail qui vont dire donne-nous. Amen. Ça, c'est ce qui est clair, ça.
Pas pour qu'elle dise, ben non, on connaît, nous prenons l'éducation, nous prenons choses, non. L'éducation de l'intelligence, c'est pareil. Il y a un service sur l'intelligence pour faire sa petite mission là. Et la votre grande mission, besoin qu'on commence à faire sa mission avant. Amen. Amen. Petit là, nous, un grand. Alors, dans cette petite mission, les fins, eh bien, service sur l'intelligence, travail qui est bon Dieu, donc, eh bien, les fins, donne-les. Amen. Quand vous êtes fidèle dans ces petites choses, vous êtes fidèle dans les grandes choses. Amen. D'accord, frères et sœurs, nous ne pouvons pas mettre fardeau aux autres, mais nous tous nous connaissons, bon Dieu nous donne le travail, alors il ne faut pas nous mépriser, il faut dire, moi, je laisse ça, moi, je fais ça. Non, nous ne pas se fier aux autres. Tu vois? Alors donc, eh bien, c'est pour cela, donc, ce matin, eh bien, Livon, eh bien, frères et sœurs, que nous, fidèles, dans le travail que bon Dieu nous donne, nous, mais qui nous fait lier avec amour, avec l'intelligence, avec courage. Amen. La Bible dit, celui qui nous besoin cherche les dons spirituels, aspirez aux choses, les dons spirituels, aspirez aux dons de la prophétie, aspirez aux dons spirituels, aux choses meilleures. Dans l'œuvre de Dieu, besoin à ce qui est meilleur. Amen. Amen. Vous savez, il ne fallait pas nous casser en zèle, nous faire lire, nous faire engager nous. Les choses de Dieu, besoin de faire à ce qui est meilleur. D'accord? Amen. Alors que Dieu lie de nous, nous capables, ici, lui parle de nos dons spirituels, aspirer dons spirituels, ce qui est meilleur. Alors nous, besoin dans nos travail que bon Dieu nous donne, nous, besoin de mettre le meilleur. Pas dernier, non. Parce qu'un jour, nous allons rendre compte. Amen. Je crois que nous allons rendre compte. Pas vous rendre compte. Moi, je vous rendre compte, moi. Je vous rendre fou, moi. Hein? Vous rendre fou, non. Vous allez rendre compte. Tu veux qui tu fais comment tu travailles, comment tu bâcles ou bien tu travailles. Besoin d'un meilleur dans l'œuvre de Dieu. Amen. D'accord? Travailler de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu. D'accord? En passant, on les dit aux autres, dites-vous comme ça, hein? Quand nous fidèles, dans nous la case, bon Dieu vous donne nous plus responsabilité dans l'Église. Vous connaissez comment il fait ça? Vous voyez comment il fait dans l'œuvre de Dieu. Si vous n'êtes pas fidèle dans la case, pas qu'à dire où la case, vous dire l'église. Pas capable. Impossible. Tu vois? Alors c'est pour cela donc, ce matin, première partie, moi les deux autres, nous réussissons là. Nous sommes contents de continuer à réussir. Mais nous pouvons vivre dans un temps difficile. L'œuvre de Dieu, besoin de faire avec l'intelligence. Amen. Nous remplir du Saint-Esprit, frères et sœurs. L'œuvre de Dieu lui nécessite l'intelligence. L'œuvre de Dieu lui nécessite discernement. Discerner, frères et sœurs. D'accord? Amen? Amen? L'œuvre de Dieu lui nécessite, frères et sœurs, consécration. Si vous n'êtes pas consacré, qui pour travailler vous, bon Dieu? Non, il faudrait que tu nous laves l'hôtel pour travailler pour le Seigneur. Si vous n'êtes pas consacré au travail, vous, mon Dieu, parce que l'œuvre de Dieu, besoin de consécration, ça. Pas de bout de quand l'État, il y en a qui pèsent sa vie, bon Dieu, pas venu de l'Assemblée. Tu ne veux pas connaître que vous été. Mais l'œuvre de Dieu, lui, nécessite consécration. Amen. Alors, je voulais dire tout ça. Quand il a dit dans nous la vie, là, quand nous vous présente devant le Maître, tu veux, nous pas vous, Père, non? Nous pas vous dire, mais qui vous dit là? Qui va arriver là? Il va vous dire ça parce qu'il nous applique nous. Amen. Tu vois, nous ne pouvons pas faire ce travail, nous ne pouvons pas faire un travail comme ça, faire comme ça là-haut, légèrement, superficiellement. Tu vois, mais il ne faut pas compter parce qu'il faut travailler fait ça. Tu comprends, les frères et sœurs? À cause de ça, donc, que Dieu lui aide nous, aide-moi. Alors, donc, eh bien, qu'il nous comprend que l'œuvre de Dieu, comment il a besoin d'être fait, frères et sœurs. Alors, tu es là, moi, tu peux aider les autres. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, aspirez aux dons le
meilleur. Amen. L'œuvre de Dieu besoin être faite, eh bien, non pas superficielle, mais médiocre, pauvre, non. Bagasse, non. Le besoin fallit, eh bien, frères et sœurs, avec toutes ces 20 qualités-là, ça veut dire que nous aussi, chacun de nous, nos besoins sont un bon et fidèle serviteur. Amen. Amen. Réfléchis, calculez. À quoi ça qu'il est dit, assisé, calculé. On est servi-toi, Seigneur. On dit que tu as les cœurs, tu as les cœurs, tu as les cœurs, eh bien, dévoyé. Tu vas me demander à l'école, prends un certificat, mets-toi que tu viens. Non. Il faut que tu aies une qualité là-dedans où la vie. Là, nous connaît, quand nous vous présentons devant le Maître, alors nous ne pas vous perdre, parce qu'il nous fait travail comme avant Dieu vient nous faire. D'accord? Voilà. Alors, reçois le gouvernement de, dit la ville. Alors, un frère, tu peux dire, lui dire, pas sûr pour rentrer dans le gouvernement. Pas sûr. Mais seulement, ce qui est important pour lui, c'est qu'il est dans le gouvernement de Dieu. Amen. Pas connaître qui ministère, bon Dieu, vous donne nous, pas connaître. Parce que celui, le maître, celui, le premier ministre, tu vois, alors donc, eh bien, mais pour arriver à ce point-là, rappelez-vous, nous n'avons pas besoin de travailler comme ça, nous n'avons pas fonctionné à nous. Nous pouvons travailler, nous pouvons servir le roi des rois. Amen. Alors réfléchis-le. Mettre la main, pas mettre la main bride, tu vois, réfléchis bien. Prendre une décision pour retourner, un engagement après bien, pas si assis, pas connaît, pas capable. Non. Réfléchis. Dieu lui donne nos capacités. D'accord? Alors nous tous, nous, serviteurs de Dieu. Vous voyez? Alors, à quoi ça qu'il est bon? Eh bien, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, il nous fallait donc, eh bien, avec, eh bien, sa bonne qualité-là dans nous. Donne-nous la vie. Alors ce matin, alors qu'on va vous dire ça, eh bien, nous tous, nous au service du Maître. Amen. Nous servis le Seigneur. Et rappelez-vous, servir le Seigneur, c'est une grâce, ça. Amen. C'est une faveur, ça, servir le Seigneur. Il ne faut pas nous être chose, hein? Non, une faveur, bon Dieu, ne fait nous, ça, où? Servir le Seigneur, c'est un privilège que bon Dieu nous donne. Peut-être dans le monde où va tu prendre ce privilège-là. Mais ça, c'est un privilège, une faveur que bon Dieu fin fait nous pour servir le Seigneur. Amen. Voilà, donc ce matin, alors rappelez-vous, frères et sœurs, donc eh bien, ça, eh bien, parole-là. Et puis, vous connaissez, frères et sœurs, Dieu n'a associé nous. Avec lui. Bon, j'ai pas besoin de nous, lui. C'est nous qui avons besoin de lui. Amen. Et on a l'impression, mon Dieu galope derrière nous. Non, mon Dieu m'a dit galope derrière le jeune homme, lui. Nous qui avons besoin de lui. C'est lui qui n'appelle nous. C'est nous qui avons son service. Amen. Alors, je vous donne quelques paroles. Paroles. Pour capable encourager les autres. Et bien, pour servir le Seigneur. Un jour, Jésus, servir le Seigneur, c'est suivre Jésus avant. Amen. Celui qui me suit et qui me sert. Servir le Seigneur, c'est suivre Jésus avant. Jusqu'à la vie, la mort, frères et sœurs. Amen. Servir Jésus. Donc, à servir Jésus, eh bien, dans plusieurs manières. Donc, à servir le Seigneur, nous apporte la parole de Dieu, nous prêche l'évangile, oui, nous, eh bien, apporte la bonne parole du Seigneur. Voilà. Alors donc, eh bien, servir le Seigneur. Et puis nous, les autres, une autre parole encore. Servir le Seigneur, qu'est-ce qui marche sur les traces de Jésus. Servir le Seigneur, c'est marche sur les traces de Jésus. Pas suivre n'importe qui s'en a, c'est marche sur les traces de... Parce que Jésus, c'est le serviteur de l'Éternel. Amen. Il est appelé serviteur de l'Éternel.
Il n'est pas une grande position, non. Serviteur de l'Éternel. Donc ça veut dire, quand nous servis, nous paix, marche sur les traces de Jésus. Amen. Servir le Seigneur, c'est faire la volonté de Dieu. Ne pas faire n'importe quoi. Nous pouvons faire la volonté de Dieu quand nous pouvons servir le Seigneur. D'accord? Voilà. Et puis, nous entendons tout à l'heure là, la Bible dit, servez l'Éternel avec joie. Amen. Servez Dieu avec joie. Ça veut dire la joie est importante. Vous voyez? Donc, quand on servit le Seigneur, pendant la joie, sa disposition-là est importante dans nous les cœurs. Capable, fais-le comme ça, forcé, obligatoire. Mais seulement, frères et sœurs, si nous bien, la Bible vient servir l'Éternel avec joie. D'accord? Voilà. Alors que Dieu l'aide nous ce matin, afin, frères et sœurs, quand nous servons lui, nous guettons un coup dans nous les cœurs, eh bien, si nous en avons la joie, eh bien, frères et sœurs, pour servir le Seigneur. Alors, donc, il est bon de faire, eh bien, un travail, une réflexion dans nous la vie. Eh bien, nous guetter si nous pouvons servir le Seigneur, eh bien, avec joie. Voilà. Alors, une autre réflexion, moi, je l'ai dit aux autres, qui, je te rappelle, il y en a une madame dans la Bible qui est venue. Au pied de Jésus, tu verses parfum. Tu vois? Alors les autres, ils critiquent lui. Qui Jésus dit? Elle a fait ce qu'elle a pu. Amen. Bon Dieu, pas pour donne-nous plus ce qui nous pas capable. À cause de ça, ce qui bon Dieu nous donne, elle a fait ce qu'elle a pu. Tu vois? À cause de ça, donc, ce matin, eh bien, on ben, comprend ça. Et aujourd'hui, partout dans le monde, tu penses un petit travail, ça a peine à valer, ça n'a pas compté ça. Mais partout, quand l'évangile prêchait, il peut dire, c'est que ça, madame, là, une faire. Tu vois, aux yeux des hommes, c'est un peu l'intérêt. Mais aux yeux de Dieu, c'est un grand intérêt. Peut-être ce matin, vous pensez, c'est un travail que vous pouvez faire là. Eh bien, il peut un grand intérêt, dis-vous, pas taper la main. Tu vois, pas faire rien, mais seulement aux yeux de Dieu, d'y compter. Aujourd'hui, ça, madame, là, une fait ce qu'il est incapable. Elle a pu. Tu vois? Alors donc, eh bien, maintenant, tu pensais pas bah, compter ça, peu l'intérêt, mais qu'importe, si vous, eh bien, les autres ne pas prendre compte, peu l'intérêt dans ce que vous pouvez faire, mais seulement, rappelez-vous, eh bien, qui, eh bien, aux yeux de Dieu, il y en a beaucoup l'intérêt. Amen. Elle a fait ce qu'elle a, elle a pu. Tu vois? Aujourd'hui, nous tendez ce que Madame Lane fait, aujourd'hui, sa parole-là, sa message-là, les piales des générations en génération. Vous savez, à quoi ça nous aussi travaillons. Le peu que nous faire. Autant voulu, la vie bien nous pour moissonne, frères et sœurs. Eh bien, ce qui nous fait pour le Seigneur. Parce que ça, c'est la promesse de Dieu. Amen. Alors, c'est pour cela, donc, ce matin. Alors, Félix, pas dire, mais ça, un petit travail, ça pas compter ça. Vous savez, ben, on n'a pas trop pris en compte. Eh bien, donc, ce qu'il m'a offert, qu'importe, l'œuvre de Dieu, frères et sœurs, il vient d'y faire. Quand même les hommes pas reconnaître lui, mais seulement, eh bien, lui être reconnu aux yeux de Dieu. Amen. Voilà quelques paroles pour nous, pour nous capables de faire travail, bon Dieu. Fais-le bien avec l'amour, fidélité et encouragement. Et puis, moi, je tiens encourageant. Quelques paroles, réflexion toujours, et eh bien pour encourager. La Bible dit à nous comme ça, et eh bien comme un disciple, si elle prêche l'évangile, et eh bien Jésus, allez, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Travailler avec eux. Quand nous travaillons, Jésus travaille avec nous. Amen. Qu'on est important donc? Quand nous pouvons faire le travail, bon Dieu travaille avec nous. Tu vois, nous avons l'impression, personne ne va prendre compte, nous tout seuls, nous pouvons faire tout seuls, mais rappelle-nous que le Seigneur travaille
frères et sœurs, avec nous et dit que nous travaillons. Amen. Et attentif à ce qu'il nous fait. Et il faut être nous. Amen. Il faut être nous, il faut fortifier nous, il faut faire nous du bien. À cause de ça, donc, ce matin, alors, quelques paroles d'encouragement pour. Alors, donc, eh bien, vous pouvez travailler tout seul. Vous pouvez travailler avec moi. Vous pouvez travailler avec Dieu. Et Dieu pour travailler avec vous. Amen. Amen. Alors, travail. Continuez le travail. Continuez à faire les. Pas tant de résultats tout de suite là. Mais faire ce qui bon Dieu, une faire. Pareil, comment Jésus dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Les autres, pour capables de dénigrer, pour capables de pas prendre compte. Mais le Seigneur, eh bien, lit. Livre en compte, lui. Amen. D'accord? Servez l'Éternel avec joie. Alors, la joie est importante. D'accord? Nous avons un peu de travail, mais pas la joie. Nous avons un peu de travail, ça la joie, nous diminuons, nous déprimons, nous fatiguons. Fait faire, mais seulement pas la joie. Et nous sentons la joie de l'Éternel et ma force. Tu vois? Alors, mais pourtant, la Bible dit « Servez l'Éternel avec joie ». La joie est importante. La joie de donner, la joie de partager, la joie de travailler pour le Seigneur. Mais si elle a, vous avez la joie, vous servez le Seigneur, tout vous répond, alléluia, non? Mais important, la joie. Vous voyez, capable, nous faisons travail, mais nous perdons la joie. Nous n'avons pas dans la joie là, nous n'avons pas dans sa fraîcheur là. Nous nous fatiguons avec ce qui nous tendait, nous trouver. Mais un résultat. Et pourtant, la Bible dit à nous, travaillez avec joie. Amen. Vous connaissez dans la Bible, c'est un grand prophète. Un grand prophète, hein? Il ramène Israël. Il ramène Zod vers le Seigneur. Alors, un moment fut arrivé quand Banane Menasli, Jézabel, il est découragé. Inaffecté. Tu vois? Alors, il perdit sur la joie. Donc, dès que c'est un ça, tu vois, il perdit sur la joie pour servir le Seigneur. Tu vois, il dit, mon gars, trop de problèmes, pas facile ça. Tu vois, il perdit sur la joie pour servir le Seigneur au point qu'il demande l'amour. Seigneur, prends-moi. Pas connaître si on arrive à sa stase-là, à sa situation-là, mon avis capable. Tu vois? Alors, donc, eh bien, peut-être nous aussi nous capables de faire vivre ça dans une situation là, moins fatigué, pas non, non, pas tout, non, rien. Tout cas, les tessons nous tendaient. Tu vois, il y a aussi un problème là, parce que la prière qui est découragée, hein, pourtant, homme de Dieu, ça, grand serviteur de Dieu. Alors, c'est pour cela, donc, ce matin, alors, donc, eh bien, peut-être nous perdons la joie pour servir le Seigneur, la joie pour venir l'assembler, la joie pour prier. Alors donc, nous arrivons à une situation, eh bien, qui nous dit, ça travail qui nous peut faire la peine avaler à ça. Tu vois, nous n'est plus capables, nous incapables. Frère, vous pouvez aller là, vous pouvez dire, vous pouvez aller, vous êtes capable, parce que nous sommes découragés. Alors, nous visons retourner à Dieu. Amen. Parce que nous visons retourner à la source, qui c'est là qui donne la joie. Qui est la source de la joie? Si ce matin, on peut faire comme ça là, on n'est plus joyeux, on n'est plus fait le travail là avec joie. Alors, nous arrivons avec le Seigneur, dit-lui, voilà, Seigneur, je peux faire lui, mais malgré, je suis déprimé, je n'ai pas envie de faire lui. Je dois le faire lui, Seigneur. Nous, tout ne nous passe pas là. Hein? Mais seulement, nous ne pas rester dedans. Nous approchons-nous du Seigneur. Lui, c'est la source de la joie. Lui, il est pour renouveler nous. Lui, il est pour donner nous la joie du Saint-Esprit. D'accord? Alors, donc, ce matin, alors, si nous, là, nous perdons sa désir pour servir le Seigneur, vous connaissez? Vous connaissez ce qui me connaît? Longtemps, quand il vient quelqu'un, eh bien, fais ça, prends. Lever, allez, hein? Un coup, spontané, appelle ça. Lever. Ah, c'est un peu lourd. Non? Un peu lourd pour bouger à se taire. Un peu lourd pour aller de l'avant. Tu vois, parce qu'il y a la question qui nous diminue dans nous la vie. Nous faire libre, mais seulement pas avec la même fraîcheur. Hein? Alors, donc, eh bien, pas, eh bien, bouger vite, vite, frère et soeur. Alors, malheureusement, ce qui nous perdit la joie, tu vois, nous perdit ça, l'enthousiasme-là. À cause de ça, si nous dansons à l'état-là,
les bons qui nous viennent au Seigneur. Amen. Et puis nous dire, Seigneur, mon péché à toi, mais pas la même la joie, même ferveur, même consécration, pénance, Seigneur. Quand vous dites, le Seigneur pour être nous. Amen. Pour élève nous, non? Il y a des fois, il y a un bon démon qui travaille, il y a côté-lui. Pas qu'on est côté-lui, il y a travail, ça. En quoi ça, donc, ce matin, alors, la Bible dit, servons l'Éternel avec soi. D'accord? Donc, présente-nous à Dieu, présente-nous dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Alors donc, eh bien, et bon Dieu pour renouveler-nous, pour trouver la joie, les ailes pour servir-lui. Amen. Bon, pour terminer, on peut dire c'est une vérité. Vous connaissez, il y a des fois, nous faisons travail, nous faisons travail, une femme travaille. Le content travaille, non? D'accord? Content, pas content, travaille. Alors, pour ne jamais oublier, quand nous faisons travail, nous faisons la joie pour travailler, la joie pour servir le Seigneur. Mais seulement, nous, la joie, ce n'est pas servir le Seigneur. Ce n'est pas le service. Nous, la joie, ce n'est pas le service. Nous, la joie, les trouve dans celui qui nous servit. Nous faisons ce travail là, nous faisons ce travail. Nous sommes contents, nous heureux, nous restons à la visite, nous restons à l'hôpital. Mais nous, la joie, bizarre en celui qui nous fait servir. Vous pouvez servir Jésus. Vous pouvez servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, servis-le de tous les cœurs. Pas de la joie, mais vous avez la tâche finie. Non. Non. Alors, ce matin, alors Dieu, il nous tous une faveur. Il fait nous tous une grâce, nous tous. Si nous l'a, ce n'est pas grâce qu'il nous l'a. Bon Dieu, fait nous grâce. Amen. Alors, fais-le. Sois fidèle. Rappelle-toi, eh bien, cet homme qui dit, ah, ben, mon ministre, ça se taire. Ça fait bon, non? Vous gagnez joli loto. Berlin, vous gagnez. Même W à la porte. Serviteur. Dis-moi, vous prostène devant moi. Ministre, c'est pas ça. Ministre, c'est servir. Nous aussi nous servir le Seigneur. Amen. Même si marche l'eau, nous ne faisons rien, servir le Seigneur. Même si crase nous court, nous ne faisons rien, mais nous au service du roi des rois. Amen. À nous bénir le Seigneur ensemble. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur.